dans les dernières années que tu t'es adouci un petit peu, c'est ce que tu as dit, mais là, j'ai l'impression que tu es comme revenu aux sources un petit peu, particulièrement cette année, à la journée est encore jeune. Je pense à Jérémy Demé, à Céline Dion, à Ginette Renault, entre autres, te dit que son livre était de la merde, te dit que son... J'ai pas dit de la merde. Qu'il était pourri. Tu as dit que son disque était pourri, que son livre... c'était pas à la hauteur de son grand talent. C'est ça que j'ai dit quand même. Ouais, mais je pense que t'étais quand même plus dur que ça. J'étais un peu plus dur. Mais là, je me disais, qu'est-ce qui se passe avec Nathalie? Est-ce qu'elle développe des problèmes cognitifs? Ou aussi, j'ai plus rien à perdre? Excuse-moi. Mais t'es revenue, la Nathalie Petrovski, d'une autre époque. Mais est-ce que tu écoutes La journée est encore jeune? Ben absolument. Bon, ben, tout le monde blasse tout le monde. Fait qu'il vaut bien que je suive le... Si elle le fait pas, ils la réinviteront pas. Ben non, exactement. Alors, elle est prisonnière de son personnage. Ben ouais. Non, mais je m'amuse. Cela dit, là, écoute, ça dure 3 minutes, des fois 2. Ouais. Des fois 30 secondes. Puis là, tu cites, j'en ai quand même fait quoi? Une quinzaine, une vingtaine? Tu me cites, t'en cites 3. Ben, c'est sûr. Ben ouais, c'est sûr. Je donne des exemples. Mais j'avais entièrement raison dans les 3. Ouais. Ginette Renault est sortie pour dire, elle n'est pas fine, elle n'avait pas le droit de faire ça, elle ne pouvait pas rire de moi, elle rit de mes maladies. Mais j'ai pas, ça, c'est pas vrai. En plus, ça, elle dit que tu avais ri de ses kisses aux ovaires. Non, mais c'est pas vrai. Justement, j'ai pas. C'est pas vrai! Je n'ai pas ri de ça. J'ai parlé juste du... Et je pense que c'est Rebecca qui a fait une mention là-dessus. Bon. Je tourne le blâme sur Rebecca McAdams. Ouais, qui n'est pas ici pour se défendre. Voilà. Rebecca a ri des kisses aux ovaires de Ginette Renault. Ça fait tout le temps ça. Non, mais écoute, dans cette émission-là, qui s'appelle « La journée est encore jeune », on dit beaucoup de choses et rien du tout et toutes sortes d'affaires. Fait que des fois, dans le brouhaha, toutes sortes de choses se perdent, mais j'ai pas du tout parlé de sa maladie. Et j'ai vraiment parlé de ce livre, et je répète, qui n'est pas à la hauteur de son talent. Voilà. Et puis, excuse-moi, là, vendre des livres chez Jean Coutu, je m'excuse. Des livres, ça se vend dans des librairies. Et au Farbin Prix. Exactement. Exactement. Jeannot. Barbecue, derrière du plaisir.